Salut tout le monde, c'est Kéros, Non, ça. Salut tout le monde, c'est Kéros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Titanic et nous sommes déjà à l'épisode 4. Ça fait déjà 4 semaines que nous faisons cette série, donc je suis très heureux puisque, pour ma chaîne, elle marche plutôt pas mal. Donc j'en suis content et j'en suis satisfait, donc je pense que les vues vont monter petit à petit. Enfin bref, nous allons faire dans cet épisode le premier étage. Donc écoutez-moi bien, puisque ça va aller très vite, puisque là, nous allons faire le premier étage. Dans l'épisode 3, nous allons faire le deuxième étage. L'épisode 4, nous allons faire le dernier étage et peut-être les cheminées. Attendez, qu'est-ce que je disais là, n'importe quoi. Donc de l'épisode 4, aujourd'hui c'est le premier étage. Le 5, deuxième étage. Et le 6, on va faire toutes les finitions avec les bâtiments du dernier étage. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Mais tout ça pour vous dire que nous avons bientôt terminé cette série et que vous allez bientôt avoir le Titanic dans votre serveur. Voilà, donc là nous prenons de la potion de rapidité pour aller plus vite. Et nous allons poser des planches de chêne sur environ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on va en poser sur 12 déjà et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est terminé. Donc là, nous allons prendre les blocs de laine blanche. Et nous allons nous mettre à 2 du bord et à 1 où on commence à faire le diagonal. Donc ce qui vous donne ça. Donc 2 du bord et 1 de la diagonale. On refait pareil de l'autre côté, bien entendu. Et on rejoint toute cette perde. Hop. Ensuite, nous allons faire des fenêtres ici, voilà, comme ceci. Donc de chaque côté à 1 du bord. Et au milieu, on va reboucher comme ceci. Donc bien entendu les fenêtres carrées, donc on les met deux par deux, deux par deux, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et ensuite nous allons monter de, allez on va dire 3, donc je regarde mes plans, hein, toujours pareil, donc 3 de haut comme ceci, et puis on recouvre tout. Parfait, donc maintenant nous allons faire les côtés, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on part de là. Donc on compte la façade avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bis repetita de l'autre côté. Voilà, parfait. Ensuite, nous allons mettre un petit banc, donc juste pour voir si ça correspond bien au plan que j'ai fait et au croquis que j'avais fait sur Minecraft ordi. Donc, on va faire ça. Alors là, à deux du bord, comme ceci. Ici, c'est la porte. Voilà, c'est parfait, ça correspond. Hop. Donc, je confirme, vous pouvez bien construire comme je l'ai fait. Donc on pose les bancs de chaque côté, bon on fera les décorations après. Ça presse pas. Hein, pas commencer. Bref, là ensuite on va faire quoi? Donc je crois que j'avais fait un petit tunnel. Donc là, le mur que j'ai commencé, nous allons le faire de 3. Donc voilà, 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté, vous m'avez compris, hein, vous comptez le bloc que je vous ai mis en premier, 2, 3, comme ceci. Ensuite, on va faire de 2, donc hop, ouais ça déborde de 2, c'est ça, et puis on va faire comme ça, voilà, et puis on refait pareil de l'autre côté, sauf que là, on va faire traverser, j'ai dit que ça débordait de 2, ok, je ne me rappelais plus, donc 3 d'un côté et de l'autre, ok c'est parfait, j'étais un petit peu perdu là, donc nickel. Maintenant on va faire monter jusqu'au dessus quoi, on va combler le vide, on va faire le plafond et puis après donc on va faire les contours du bateau comme on avait fait dans le deuxième épisode avant de commencer l'avant et l'arrière du bateau qui se suivaient dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Et puis ça sera nickel chrome.
Parfait, donc maintenant nous allons recouvrir pour faire un... pour faire le passage quoi, donc on va faire comme un petit plafond. Donc ici, on va mettre à 3 de hauteur, voilà. Ici comme ça. Et puis on va recouvrir comme cela. Donc ça sera pour aller dans les cabines quoi. Des petits trucs comme ça. Donc là c'est parfait. Ouais c'est bon. Là on recouvre le mur. Et puis après on va passer à la suite. Putain ça veut pas se poser. Voilà. Là qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui ok j'avais oublié de faire ça. Voilà nickel. Donc là ça prend forme un petit peu. Là on rebouche bien entendu. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on va faire le côté il me semble. Donc par contre on n'a pas assez de planches de bois il me semble. Donc il va falloir agrandir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok donc de 7. Donc là on va agrandir 3, 4, 5, 6, 7. Voilà parfait jusqu'à là donc. Et puis donc on va agrandir de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà parfait. Donc de 5 blocs on agrandit de 5 blocs le plancher. Parfait. Donc là on fait les deux côtés pareil. Hop. Voilà. Donc sur la prolongation hein, vous suivez les tracés que vous avez fait. Tout simplement. Donc après on va faire le contour du bateau. Ça va encore prendre plus forme. Donc franchement là c'est là que vous voyez que vous n'allez pas regretter d'avoir choisi cette vidéo pour faire votre Titanic. Bon je sais même pas si quelqu'un en a déjà proposé en français. Sûrement que si, hein. Mais moi, en tout cas, je vous le dis que ce Titanic sera le meilleur de tous. Donc là, on va prendre une porte, mais je ne sais plus où elle se trouve depuis la mise à jour. Ça fait un paquet de temps que j'ai pas joué. Voilà, elles sont là. Donc, on pose la porte ici. Parfait. On met un petit cube là. Là, pareil. On met les portes. Tac. De l'autre côté. Pareil, on met les portes. Voilà. Ensuite, bah là, on refait pareil. Attendez. Donc ouais, on remonte jusqu'au-dessus, hein, bien entendu. On garde la même hauteur qu'on a commencé depuis le début, bien entendu. Et puis après, après ça, donc on va remettre la porte et après on fait les contours. Là, c'est décidé depuis le temps que je vous en parle des contours. Vous croyez que c'est un truc de ouf? Mais c'est ce qui va faire prendre du gabarit à votre bateau. Voilà, nickel. Tac, c'est parfait. Ça se ressemble par rapport à ce que j'avais imaginé. Et c'est parfait. Donc là, à 2 de long. Donc attendez. À peu près où? Donc on va dire là. Donc là, vous partez ici. Vous comptez 2 blocs et vous faites ça. Hop, et vous faites dépasser de 1 cube en dehors du bateau. Voilà, parfait. Donc, hop, et vous faites sur 2 de hauteur. Donc, vous ne dépassez pas la hauteur que nous avons déjà fait au préalable. Mais vous faites sur 2 de hauteur, donc vous remettez un cube par en dessous. Voilà. Donc, maintenant, on part de là. Donc, on s'aligne par rapport à la coque. Et puis, on va faire, comme d'habitude, les... petits escaliers, si on peut dire ça comme ça, pour former, pour pas que ça fasse d'un coup un montant droit, quoi. Voilà. Là, donc, on va aller jusqu'à derrière. Donc, là, attendez que je regarde sur mes plans, car faudra pas aller trop loin derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter où? On va s'arrêter au bord là, donc attendez, on va aller tout derrière. Voilà. Et là, vous partez de ce petit rebord de derrière. Et vous allez compter 2, donc 1, 2. Voilà. Et vous faites ceci, comme cela. Et puis, on va en faire 2. Donc 2 de hauteur et 3 de largeur. Donc c'est des petites fenêtres qui sont...
autour. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, vous cassez un peu le rythme en faisant comme ceci. En faisant le même effet d'escalier pour pas que ça fasse trop droit, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, c'est parfait. Au moins, on sait jusqu'où aller. Et puis maintenant, on va passer au remplissage. Donc bien entendu, on fait pareil des deux côtés. Donc on va le faire tout de suite avant qu'on l'oublie. Et ensuite, on va accélérer la vidéo pour faire la partie remplissage. Donc là, de l'autre côté, on refait pareil que ce que je viens de vous montrer. Tac, parfait. Et puis pareil à l'avant, on fait notre petit décalage qu'on avait fait avant. Donc là, on s'aligne par rapport à l'autre côté. Donc je vous rappelle de deux blocs à gauche, à droite, excusez-moi. Et puis de deux blocs de hauteur en dépassant de un bloc de la coque. Voilà, donc là ça prend forme. Et maintenant, à partir de ce moment, vous allez pouvoir remplir le Titanic. Mais avant, il y avait les escaliers comme ceci, ok. Donc on les fait pareil de l'autre côté. Tac. Et au moins ça sera fait. Et maintenant nous allons tout remplir. Donc on part d'ici et on va jusqu'à de l'autre côté du Titanic, jusqu'à l'arrière où on a fait nos deux petites fenêtres. Si vous vous en rappelez, regardez, je vais vous montrer. Après, on fera en accéléré. Bon, ça met un peu de temps, hein, c'est sûr. 180 blocs de long, c'est pas en 2 minutes qu'on va les remplir. Voilà, parfait. Donc vous avez compris, vous allez faire vous allez remplir toute cette partie, donc sur 3 de hauteur et sur la longueur que je viens de vous montrer. Parfait, donc on a rempli ce que je vous avais demandé, donc les 3 de hauteur, et maintenant nous allons prolonger comme ceci le décrochement. Donc par contre là on est à l'arrière du bateau, donc à l'arrière, non on n'est pas à l'arrière, on est à l'avant, enfin je parle dans mon plan. Donc à l'avant c'est fait comment? Ok, donc on va partir de l'avant pour vous montrer comment est fait le décrochement. Donc c'est très simple, là c'est un rebord tout simplement comme ceci, voilà. Et on va aller jusqu'à derrière. Et par contre derrière il y a un petit truc qui me dérange parce que je me rappelle plus comment j'avais fait quand j'avais fait le plan. Forcément. Donc non, j'ai rien dit en fait, j'ai rien dit, tout est bon. Normalement tout est bon. C'est juste qu'on n'a pas fait encore les hublots. Du coup, ça choque un petit peu. Mais une fois qu'il y aura les hublots, parce que là, cette partie-là, on va la recouvrir. Voilà. Et après, les hublots, ils viendront se loger ici. Donc, tac, 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 tous les 1. Mais ça, on avait dit qu'on ferait dans les finitions. Comme ça, le bateau va prendre forme d'un coup. Vous voyez, là, c'est pas beau, parce qu'il n'y a pas de relief. Vous allez voir que quand on va rajouter les hublots, franchement, ça va avoir de la gueule. Donc c'est reparti, hein. On fait pareil des deux côtés, vous remplissez sur deux de hauteur et sur toute la longueur que je viens de vous montrer. Voilà, parfait, donc maintenant nous allons passer à l'avant du bateau pour faire pour que ça ait de la gueule quoi. Donc là, à partir de ce qu'on avait fait là, donc les escaliers, on va prolonger un petit peu le plancher comme on avait fait à l'arrière. Donc là on va le prolonger juste de 3, ça ira je pense. Et ensuite nous allons reprendre notre LED blanche. Donc le plancher on va le prolonger sur ce côté. Enfin je vais vous expliquer une fois qu'on aura placé, comme ça. On est quitte de faire trop, hein. Après ça sera vous qui aménagerez votre Titanic de toute façon. Donc là par contre, donc 4 d'un côté,
Et puis de l'autre, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, forcément, c'était logique. Je sais pas pourquoi je m'en suis posé la question. Voilà, donc là, 4 d'un côté et 4 de l'autre, donc par rapport au mur. Donc là, on a 3, 4, voilà, parfait. Maintenant, donc l'avant, c'était comment? Comment j'avais fait? Donc, on va faire quoi? On va faire comme ça. Et on va mettre une vitre tous les 1. Donc attendez, il faut que ça corresponde. Quand j'arrive au milieu, parfait. Voilà, j'adore quand ça va super comme ça. Là, ça me fait plaisir de travailler sur Minecraft. Là, ça me fait plaisir, oui, monsieur. Et on remplit de verre. Et puis comme ça fera la cabine où il se suicide à la fin. Hein. Malheureusement. Hein. parfait, donc là ça coordonne parfaitement. Vous voyez, le décrochement vient se loger juste au-dessus de ce qu'on a fait. Et comme ça, ça prend forme. Putain, je suis content. Voilà, nickel. Donc là, ça prend forme rapidement. Par contre, là, donc le prolongement du parquet, donc qui va aller jusqu'à ici. Voilà, comme cela. Et après, on va faire des cloisons de toute façon. Donc, hop. Et on fait pareil de l'autre côté, bien entendu. Hein. On le met jusqu'à la fenêtre qu'on avait fait. À la fenêtre un petit peu déformée. Voilà. Et là, eh bien, on va faire les murs. Donc, on fait le contour de l'agrandissement qu'on a fait. Et puis, on monte jusqu'au décrochement en hauteur. Voilà, à la hauteur que je suis en train de faire. C'est très bien. Donc, à 4 de hauteur, je crois. Ça doit être ça. Puisque le décrochement fait 2 et la hauteur initiale fait 6. Enfin, la hauteur... compte. Ensuite, pour le plafond, on va mettre du plancher, mais on va pas le mettre maintenant puisque ce sera dans le prochain épisode quand on va faire le deuxième étage du dessus du bateau, quoi, si vous m'avez compris. Et puis donc là, le décrochement, voilà, c'est parfait. Ok, donc c'est nickel, on a fini ce que je voulais, donc le premier étage. Donc après, il restera le deuxième. Et puis les bâtiments du dessus avec les finitions, voilà. Donc là, tout est bon pour cet épisode. Donc nous sommes à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Ça a beaucoup plus avancé vu de derrière que vu de devant. Mais c'est normal parce que vu de devant, vous savez, c'était assez plat. Donc derrière il y a assez de relief, mais devant c'était assez plat. Donc vous allez voir qu'une fois qu'on aura terminé, ça sera super classe. Donc comme je vous l'ai dit, l'arrière, pour vous à l'arrière, ça semble avoir un peu plus avancé. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Je prendrai le temps car je comprends que ce soit pas toujours simple pour vous. Et puis de toute façon, vous savez que je suis disponible par Skype ou par commentaire, comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite de cette série. Ciao, bye tout le monde. C'était Kerose.